ils sont beaux, ils sont drôles. Je les adore et vous allez les adorer. Il s'agit de Jenyan Walker et Olivia Louche. Parce qu'ils ont chacun une vraie particularité remarquable, très remarquable. Alors, Olivier, par exemple, Olivier Louche, donc qui est scénariste et réalisateur, en plus d'être acteur, hein, ça c'est déjà génial, mais ça je m'en fous, c'est pas pour ça que je l'ai invité. Je l'ai invité parce que, en tant qu'acteur, il sait particulièrement bien interpréter un personnage, et pas n'importe lequel, hein, puisqu'il s'agit tout simplement de Dieu. Et pourquoi, vous me direz? Eh bien, pour la bonne et simple raison qu'il le connaît très bien. C'est ça, Olivier. Oui, enfin, je ne le connais pas très bien non plus. Bah, tu connais ou tu ne connais pas? Oui, je le connais, mais bah, ça fait pas longtemps. Excuse-moi, tu m'as dit que tu le connaissais, que tu avais un truc à dire, tout ça, mais à un moment, oui ou non? Oui. Donc, t'es un mec qui connaît Dieu. Enfin, c'était la classe, t'étais un peu en train de me faire passer pour un malade. Genre, un mec, il entend des voix, il voit des pinins qui volent comme ça. Et donc, c'est quoi le message? Ah, oui. Il est désolé. Désolé. De quoi? Parce que vous avez une filière. M'emmerde. Qu'est-ce qu'il y a, Dieu? M'emmerde. Tu veux me parler de ton petit jardin? Vous voulez vraiment que je vous parle du jardin? Ben oui, pourquoi? Je sais pas, à chaque fois que je vous en parle, j'ai l'impression que ça vous saoule. En même temps, on est dedans, on peut parler mes gueules. Bon, bah... J'ai rajouté ces grands trucs là. J'ai appelé ça des arbres. C'est joli, non? Ouais. J'ai rajouté tous ces petits trucs là, j'en ai mis un peu partout. J'ai appelé ça des fluores. C'est comme des arbres, mais en petit, en couleur. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que j'ai appelé ça des fluores. Je vais rajouter les animaux, tiens, comme lui là qui passe. Comment ça s'appelle? Un ornithorynx. Ah. C'est moche, hein? C'est pas une... Les oiseaux aussi, je me suis bien foutu de leur gueule. J'ai rajouté aussi des espèces de grosses saucisses comme ça. J'ai appelé ça des pingouins. Alors, c'est des grosses saucisses comme ça avec deux petites pattes, mais ils peuvent rien faire avec. J'ai rajouté aussi. Ah ouais, j'ai mis des trucs aussi, ça vit une journée et puis ça meurt. C'est marrant. C'est éphémère. J'ai mis aussi. Ah ouais, j'ai mis un truc aussi, c'est des gros trucs ronds comme ça, avec quatre petites papates, parce que c'est plus rigolo les petites papates. Et puis quand elles sont sur le dos, elles sont foutues. Ouais, c'est drôle ça. Ouais. Il m'emmerde un peu quand même. Je crois que je vais mettre des bavards. Des quoi? Des bavards. Dès qu'ils peuvent parler, qui auront un avis sur tout, qui sont jamais contents. Genre à ton image, quoi. Et où tu vas les mettre? Bah là, dans le jardin, quoi. Tu vas voir qu'il va nous foutre derrière son jardin. Non, j'en mettrai que deux.
Puis au début, ils ne pourront pas parler, hein, faudra qu'ils apprennent. Ça va être rigolo. Mais non, on sera pas au saut en chic maintenant, de toute façon. Hein. Je vais faire un mâle et une femelle. Je vais appeler ça un M et une fim. Je vais appeler ça un âme et une fume. Un hume et une foume. Ouais, je trouverais bien. Tu le sais qu'ils vont nous foutre la merde. Non. Non. Fais ce que tu veux. Mais moi, je pense quand même que tu devrais faire ton hume. Ouais, ça? C'est ça le mal. Hume. Tu devrais le faire en premier. Tu devrais le faire beau, grand, intelligent. Et après, tu fais ta foum. Tu fais ta foum. Ouais. Parce que c'est plus difficile. Ah ouais? Je sais pas. Je vais voir. Mais quelle sale gosse. Ouais, fais comme tu veux. Ouais. J'ai fait une connerie. Non, ça m'étonne pas. Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, j'ai fait comme on a dit, enfin j'ai pas fait exactement comme on a dit, c'est-à-dire que bon, alors j'ai fait mon mâle et ma femelle, l'une et la foum. Et en fait, je commençais par la foum. Et bon, elle est super, elle est vraiment bien, genre limite un peu trop pointue peut-être. C'est-à-dire que même quand elle sait qu'elle veut quelque chose, elle se demande si elle le veut à cause de si, ou si elle le veut parce que peut-être elle le veut pas, et que c'est parce qu'elle le veut pas qu'elle pense qu'elle le veut. Bah, vraiment bien. Quoi. Chiante. Non, bien. Et puis, au moment de faire le hume, je me suis dit, je vais pas tout recommencer, c'est un peu chiant. Non. Donc, je suis parti d'un morceau de la foum. Et en fait, j'ai pris la fesse. Et je sais pas ce que ça lui a fait à l'hume, mais très bizarre. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il la voit, il est là. Elle est là. Quel bizarre, il pourra pas et tout. Quoi. Mais il y a ta peau quand même. Non. Bah, dis donc, s'ils sont ratés, tu les refais, quoi. Hein. Oh non, ouais, c'est chiant, hein. Bah, dis donc, si tu les aimes pas, si tu les trouves pas bien, tu les refais, fais pas ta feignasse. Mais t'as qu'à essayer de les faire, toi, au lieu de rester allongé comme ça, rien faire. Faites ça au moins tout nu, ça sera rigolo. Oh, Diego, c'est pas moi qui voulais faire tout un petit jardin et des petits animaux, des petits bonshommes dedans, ils font pute. Vas-y, c'est bon, si tu t'aimes pas, bah, tu les refais. Non, c'est chiant. Et j'ai autre chose à faire. Quoi? Ouais. Je sais pas. Je vais faire un ouragan.